montage de ma radio Flashka GT5, tout simplement parce que en rando, en fait, de temps en temps, je perds ma direction. Elle tourne tout doucement, voire plus du tout. Donc en fait, j'ai remarqué qu'en tapant sur l'émetteur, ça fonctionne à nouveau. Donc je pense que j'ai un faux contact au niveau de la manette pour régler la direction. Donc je commence à enlever les petits caches, hein. Il y en a plusieurs ici, puis je crois qu'il y en a dessous. Sur les petits trucs qu'on démonte en caoutchouc, il y a des numéros. Donc le 6 par exemple, ça va ici, le 4 ça va ici, il faut bien les repérer au démontage pour les remettre au bon endroit parce qu'ils ont des formes différentes. Donc avec un petit tournevis, hop, voilà, donc ça c'est le numéro 1. Et du coup sur un petit papier là, hop, je sais que lui c'est le numéro 1, comme ça je les repère et je me plante pas au montage. Là je viens d'enlever mes 8 vis, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et puis maintenant je vais ouvrir, ça va être la surprise, j'espère que je vais arriver à tout remonter. Voilà. Ce qui m'inquiète c'est la gâchette là, j'espère que je vais arriver à la remonter. Pareil, j'avais un problème aussi de grésillement, donc je vais mettre la bombe contact là-dessus. Tac, voilà. Ah super, ça sort comme dans du beurre. En fait c'est facile, tout reste en place, là il n'y a que le cache supérieur qui part. Donc là je vais remettre de la bombe contact à ce niveau là. Et ça c'est ça qui déconne, ma manette de gaz là, mais je sais pas trop comment je vais régler ça, on va voir. Je vais essayer de démonter la gâchette là pour avoir plus, voir plus ce qui se passe au fond là. On dirait que c'est tenu par là. On dirait que ça sort pas parce qu'il y a ça, donc je vais virer ça. Ça c'est des mini vis, elles sont plus petites que celles qui sont à l'extérieur. Voilà. Et comme ça devrait sortir. Tac. Voilà. Le problème c'est des petits potentiaux, je sais pas comment. Hop là. Bon, je viens de perdre ça, là, je sais pas d'où ça vient. Et comme un con, j'ai pas fait les photos avant de démonter. Donc je regarderai les vidéos pour le remontage. Honnêtement, je peux rien faire. Je pensais que c'était un petit fil qui était dessoudé, mais quand on voit la construction, il y a tout qui est en place. Donc la seule solution, je vais mettre du contact électrique. Déjà j'avais le bouton qui grésillait de temps en temps. Et là ça déconne, je vais balancer du contact un peu, la bombe contact un peu partout. Et puis voilà, on verra si ça marche mieux ou pas. Pièce en caoutchouc, en fait, elle va là, c'est le grip qui va devant là. Hop, voilà, donc c'est bon, tout est en place et il n'y a plus qu'à tester maintenant si ça va mieux avec la bombe contact électrique.